sommes présents pour un nouvel épisode de WWE Vixen. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le rendez-vous du show 100% féminin. Des rivalités, des bagarreuses, de la violence. Et c'est ce soir, pour ce dernier show avant Money in the Bank. Accueille pour la première fois en action in-ring depuis son retour, c'est bien elle, Eva Marie. The following contest is scheduled for one fall, making her way to the ring from Concord, California, Eva Marie. Eva Marie est bien présente ce soir. Son retour in-ring, c'est ce soir, c'est maintenant, c'est tout de suite à WWE Vixen, le show 100% féminin. Elle a choisi le meilleur moment, je pense. Ah, c'est parfait. Je pense que c'est parfait. Eva Marie est en action. Hein. Ça fait quelques années qu'on ne l'a pas vu en action, on rappelle. Notamment, son match très important, hein, c'était lors de SummerSlam 2016, il nous semble. C'était face à Sasha Banks. Puis Eva Marie a fait son retour et elle a dit qu'elle allait mettre à mal, je ne parle pas de la catcheuse, les women's de la division féminine. On va voir face à qui elle va commencer ce soir. Oh, la championne des Divas Direct, Bianca Belair. From Knoxville, Tennessee, the Divas Champion, Bianca Belair! Eh oui, Bianca Belair, direct, la Divas Champion. Eh ben, Eva Marie, c'est pas un cadeau hein, pour elle ce soir. Ah, elle veut mettre les Women's en difficulté. Très bien, bon, tu vas bloquer la Divas Champion. On va voir ce que ça va donner. Eva Marie va être forte en tout cas. Ce dimanche, c'est Money in the Bank. On va savoir qui vont être les détenteurs des futures mallettes. Le détenteur et la détentrice. Vous pouvez lancer les pronostics, même si on n'a pas tous les noms pour les Money in the Bank. Ah non, on n'a pas tous les noms. Il y a encore quelques mystères sur certaines women. Notamment, match au championnat féminin, Bailey, c'est pas qui va l'affronter, on sait qu'elle défend son titre. Asuka est blessée. Hein. Asuka, elle est blessée. Mais voilà. Mystère. En tout cas, c'est parti pour ce premier match ce soir. Eva Marie contre Bianca Belair. C'est le retour in-ring de Eva Marie. Contact. Torsion du bras de la part de Bianca. Passe derrière. Attention, on va trop faire la FIFA à la Bianca. C'est pas de quoi est capable. Eva Marie, Hurricane Rana. Et le kick. Et le coup de coude. Souplesse ventrale. Pinfall 1. 1, c'est bien. Oh là là là, elle enchaîne de coups de poing. Oh my god, la violence. Le pinfall, le pinfall. Hein? Eh, je sais. Non, il n'y a même pas eu un.
comme Bianca fait un très bon début de match, Eva Marie a un peu plus de difficultés. Pourtant c'est la championne en face, le titre n'est pas en jeu. Attention, Gabriel qui se dégage. Oh, dropkick. La barrière, c'est violent. Hein. Et faut se calmer, mesdames. On a 8. Oh non. 9. Oh là là, attention. Est-ce qu'elle va casser le compte? Oh, elle a... oh là, elle a cassé. Oh. Remet dans le ring. Oh, kick. Ouf. Quelle violence de Bianca Belair, the Divas Champion. Voilà. La defeat. Oh, ce serait bête une défaite de Eva Marie pour son premier match depuis son retour, mais face à la championne, c'est tellement possible. Le tomber. 1, 2, oh, dégagement. Oh, pied. Attention. Oh, allez. Ah, Eva Marie, elle est mal barrée. Catastrophe. Le pinfall, c'est peut-être terminé. 1, 2, et 3, victoire de Bianca Belair, la Divas Champion, face à Eva Marie. Ça n'est pas surprenant. Et non, ça n'est pas surprenant. Que voulez-vous, c'est comme ça. C'est comme ça. Dommage pour Eva. C'est très dommage. Mais c'est comme ça. Belle victoire en tout cas de la Divas Champion qui confirme encore une fois ce titre lui revient. Peut-être qu'elle le défendra dans les semaines à venir, hein, dans WWE Vixen. Ça pourrait être intéressant. Maintenant reste de savoir face à qui Bianca pourrait défendre ce titre. Here is your winner, Bianca Belair. Bianca Belair s'impose avec une pause. Championne de WWE Vixen, l'unique show qu'on peut défendre ce titre de Divas Champion. Peut-être bientôt, peut-être que Eva Marie n'a pas dit son dernier mot. Et on accueille Nia Jax. Nia Jax qui n'a pas l'air de venir. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, Nia Jax? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Très bizarre. En tout cas, elle critique le public qu'il a eu, qu'il a bou. Qu'est-ce qu'elle veut? Apparemment, une certaine Toni Storm parle dans mon dos en backstage. Alors je tiens à te dire que c'est une des grosses erreurs que tu as faites. Mais en plus, tu veux m'affronter? C'est de la pure folie. Ah, apparemment, Toni Storm, qui on rappelle a fait ses débuts à Raw lundi soir, c'est
Jax parle de Tony Storm et donc la voici, la voilà. Peut-être que c'est du bluff, mais voilà. Ah si, 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 elle est bien là, Tony Storm. Celle qui fait désormais officiellement partie du roster de Raw. Et oui, Tony Storm parle dans le dos de Nia Jax. D'accord, d'accord. Intéressant. Ancienne ECW Women's Champion. Qu'est-ce qu'elle va répondre à ça, Tony? Naya, je n'ai rien contre toi. C'est juste que je fais mes débuts à Raw et que tu me sembles être un bon challenge pour commencer mon ascension. Rien de personnel. D'accord. Rien de personnel. Ton ascension? Mais Tony, tu n'as aucun talent. Genre, les meufs de ECW ou NXT, peu importe, n'ont pas le même niveau que moi. Je suis une ancienne Raw Women's Champion, petite. Tu crois vraiment être à la hauteur? Aïe, aïe, aïe. C'est des mots durs, hein. Tu penses que Rhea a choisi Becky Lynch par hasard? Rhea a terrassé Becky. Et moi, ça sera pareil avec toi. Ne crois pas une seule seconde que ça sera facile pour toi. Et cesse de chouiner un peu. Eh bien, on verra ça. On se reverra, petite. Au prochain Vixen. Tu regretteras tes provocations et paroles. Oh, donc au prochain Vixen, elles vont s'affronter. Amber Moon avec une nouvelle musique d'entrée. Eh oui, je reconnaissais pas la musique d'entrée, je me dis, ah, c'est quelqu'un de nouveau. Non, c'est Amber Moon. And from Dallas, Texas, Amber Moon. Toute nouvelle musique pour Amber Moon. Ah. C'est bien ça, les Morgan Amber Moon. On rappelle que Amber Moon sera dans le Money in the Bank féminin parce qu'elle s'est qualifiée. Elle s'est qualifiée Amber Moon. Donc ce soir à la fronte, Liv Morgan, hein, les deux. Ah là là, Amber Moon qui, on le rappelle, a déjà été Miss Money in the Bank. Ça a été la toute première Miss Money in the Bank, notamment. Et dimanche, elle pourra tenter une nouvelle fois sa chance. J'ai très hâte de voir si elle a évolué un Amber Moon depuis. Ça va être bien de voir l'évolution qu'elle a eue. Allez, tout le monde est prêt. C'est parti pour ce dernier match de la soirée. Attention. Allez, Morgan qui commence direct. Allez.
Et Ember Moon, oh, qui revient avec un bon coup de poing in the face. Oh là, coup de coude. Un Hurricane Runner. Et allez, le leg drop. Et Lady Morgan qui relève Amber. Assise. Le coup de pied dans le dos. Non, non, quand même. Oh, c'est peu long. Esquive. C'est Ember Moon qui revient. Ouf. Et elle revient bien. Oh, Ember Moon. La puissance de l'ancien NXT Women's Champion. De l'ancien Raw Women's Champion aussi. Morgan qui pour l'instant est en difficulté. Hein. Pinfall 1. Ouh, attention. Ne pas se faire avoir bêtement. Ce face first on the floor. Et elle ramène bien en arrière. Hurricane. Estimale. Oh, elle prend le coup de genou. Oh my god, Hurricane Anna encore. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, oh là là. Ember Moon. Et le Spinebuster encore. Le pinfall cette fois. 1. Morgan résiste, mais pour combien de temps? Attention, attention, regarde la prise de soumission là, de la part de Lee Morgan sur Ember Moon. Allez, Ember Moon. Oh, qui réussit à se dégager. Sur les épaules. Oh le. A mon avis, Ember Moon va remporter ce combat. Elle est trop forte. Elle est trop forte ce soir. Elle est trop déterminée. Ça va être une redoutable adversaire dimanche pour le Money in the Bank féminin. Elle est tombée. 1, 2, et techniquement. Irish Whip. Et le Irish Whip encore. Attention, Ember Moon. On va calmer la slide. Elle se fait lessiver la ligne normale. C'est fini, je pense. 1, 2. Non, c'est pas fini. On est pas loin. Hein. Sur projet son arrière. Oh, le tacle. Non, mais sérieux. Morgan, elle y arrive pas. Ça galère trop. Elle passe dessous. Ember Moon. Oh, c'est un jeu d'enfant. C'est plutôt Ember Moon qui devrait aller défier Bailey. Sauf que c'est pas la même pour Ender. Voilà. Oh. Mais le tomber. 1, 2, et encore, mais on y est presque. Oh non, Olive Morgan, c'est terminé. Oh, elle se fait détruire. Elle est au slide.
confirmé. 1, 2, je vais encore. Il peut refermer la moon. Attention, The Eclipse! The Eclipse! Et là, c'est fini. 1, 2, 3, victoire d'Ember Moon. Oh, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, terrible. Pour Liv Morgan, c'est une lourde défaite. Hein. Oh, regardez qui est là. Bayley qui vient narguer Liv Morgan. Bon, alors ça, ça met Liv Morgan dans... Oula. Ah non. Mais ça sert à rien, ça sert à rien, c'est fini, le match est fini. Ça ne sert à rien de s'affronter maintenant. Non. Faut pas dégénérer, faut pas que ça dégénère. Calmez-vous. Je sens que ça va péter. Ça va péter, ça y est, c'est la bagarre entre les deux. Liv Morgan contre Bayley, la bagarre dégénère. Et le show se finit en guerre entre les deux. Oh là 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 là, c'est la guerre.